Après quatre courses de suite sur circuit routier, le reste de la saison se déroulera sur des pistes ovales. Aujourd'hui, c'est la 7e de 10 épreuves pour le championnat NASCAR Pinty's 2021. Avec quatre épreuves à disputer, c'est Alex Tagliani qui mène le championnat, mais Louis-Philippe Dumoulin n'est pas loin derrière. Nous voici au Flamborough Speedway à Mill Grove, en Ontario, pour le Motomaster 125, la première épreuve d'un programme double. Bien le bonjour, mesdames, messieurs. Didier Scranon en compagnie de Dominique Fugère. C'est la deuxième année qu'on revient à Flamborough. On était venu pour la première fois dans un programme double remporté par Jason Attaway et Kevin Lacroix l'année dernière. On a une compétition très serrée à l'avant du peloton là, entre les deux Québécois. Tagliani et LP Dumoulin. Dumoulin a déjà deux championnats en poste. Tagliani n'a jamais gagné de titre de la série NASCAR Pinty's, même que il a bon espoir cette année de pouvoir mettre fin à ses 17. Chose certaine, c'est que son écurie est installée tout près du circuit Flamborough. On le connaît par cœur. Il devrait avoir une très bonne voiture. Il faudra aussi surveiller dans ces conditions-là le jeune Lapcevich, Trayton de son prénom, qui sera à surveiller ici. Il connaît très, très bien le circuit malgré son jeune âge. C'est seulement, d'ailleurs, la troisième année qu'il va faire un championnat complet, Tagliani, parce qu'il a été, bon, on s'en souvient, malade à un certain moment donné. Et il avait beaucoup de courses dans, particulièrement, la série des camionnettes qui rentraient en conflit avec la Pinty's. L'IndyCar aussi, à d'autres moments. Exactement. Hein. On jette un coup d'œil au classement, justement, de ce championnat. Après six épreuves, Tagliani qui mène par 8 points. C'est un ancien système de points. Hein. Plus il y a des pilotes en piste, moins c'est bon pour quelqu'un qui veut rattraper, justement, du temps perdu. J'ai l'impression que ça va se dérouler entre ces deux-là, entre Tagliani et Dumoulin. On a d'ailleurs demandé à Alex Tagliani quelle était son approche. C'est un petit peu différent maintenant qu'on se retrouve avec des circuits ovales. Jusqu'à maintenant, ça a fonctionné, donc je ne vais pas changer l'approche. C'est sûr que l'équipe est au courant de ce qui se passe. On voit les points. On sent un peu plus de tension, mais disons que pour moi, dans la voiture, ça va être la même chose. Alors, Alex Tagliani, qui est bien prêt à affronter le reste du peloton. Il y a des nouveaux venus. Brandon Watson, qui a fait apparition dans la voiture numéro 64. Et il y a un retour, Donald Teague, qui sera de retour dans la fameuse voiture numéro 80. On lui a demandé comment il se sentait, justement, avant cette première course de la saison. Ah, je suis très, très enthousiaste. Écoute, ça fait deux mois et demi que je n'ai pas embarqué dans une voiture de course. La dernière fois que j'ai conduit cette voiture LMS, on a terminé deuxième. Fait qu'écoute, pour moi, c'est une belle journée. J'ai pensé à ça toute la semaine, d'être relax puis de revenir dans le pace. Tu sais, quand on sait que les gars sont là depuis deux mois puis tu rembarques avec eux, fait qu'il faut juste s'ajuster à tout ça, soit qu'on soit patient. Fait que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On a certainement de bons réglages et tout ça. Trayton Lapcevich est toujours rapide et il est avec l'équipe, justement, de M. White. Là. Oui, exact. La même écurie qu'Alex Tagliani et la même écurie que Donald et celle qui a fait courir Raphaël Lessard. On se rappellera qu'en début de saison, ça s'était plutôt bien passé pour le jeune Lessard du côté du Sunset Speedway. Donc, on sait ce qu'on fait chez White Motorsports. Il restera maintenant à enfiler l'aiguille et s'assurer que les choses avancent bien. Là. On est bientôt prêt à lancer l'épreuve. On fait une courte pause, mesdames, messieurs, et on vous revient avec le drapeau vert. Restez avec nous. Cette émission vous est présentée par Fast Eddie Speedwear. Voyez notre toute nouvelle collection sur fasteddiespeedwear.com. Par les bougies E-Tree, qu'est-ce qui vous allume? Par GM Paillet, le centre du camion numéro 1 au Canada. Et par Pinty's, de bons aliments amusants. Alors, les anciens propriétaires, John et Frank Kazel, parce que ça fait quand même 60 ans que ce circuit a été bâti, vont inviter les pilotes à lancer les moteurs. Deux frères qui ont tenu à bout de brosse cette piste et le stock car dans cette région de l'Ontario comme telle. Alors que 18 pilotes se sont présentés, on a des caméras embarquées, on voit Kevin Lacroix, bien sûr, dans la voiture numéro 74. Il y a Jackson également qui va amener
une caméra à bord. Shepherd a eu des problèmes en qualification, partira à l'arrière du peloton. Il est à surveiller, Dominique, pour une remontée possible. Ceci étant dit, il reste quand même au volant d'un mulet qu'on a dû aller chercher à l'atelier de Dave Jacobs Racing. 21 victoires pour Kennington, qui partira en deuxième ligne. Première pole, on l'a vu, pour le jeune Trayton Lapsovich. Alors que sur la troisième rangée, on voit Shane Camel qui est à surveiller avec Larry Jackson, qui a connu une excellente séance de qualification. Marc-Antoine Camiran aux côtés d'Alex Tagliani, les coéquipiers chez Stickley en quatrième rangée. LP Dumoulin et Alex Guinette, les Québécois. LP Dumoulin deuxième au championnat, je vous le rappelle, avec 8 points de retard seulement. Brandon Watson qui va rouler donc dans la voiture Leland Industries avec Donald Teague, Dexter Stacy et Kevin Lacroix à la septième rangée. Ensuite, Sam Fellows qui se fait les dents sur les circuits ovales avec Malcolm Strawn. C'est comme ça qu'on doit le prononcer, semble-t-il. Brent Wheeler et Pete Sheppard vont compléter le peloton à la neuvième rangée. Donc, dans la voiture Tige Chevrolet, on voit le vétéran pilote qui en est à son 45e départ en série Pinty's aujourd'hui. Lui qui a beaucoup d'expérience en série Pinty's, mais qui en a dans toutes les séries d'ovales. On parle de du LMS, de l'ACT dans l'Est du Québec. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il est en NASCAR. Quand même 45 départs en carrière, mais des centaines et des centaines de départs dans les autres séries. 125 tours sur ce circuit d'un tiers de mille. Tout petit circuit, on ne fait pas d'arrêt au puits. 23 degrés nuageux. Il y a de la pluie dans les environs. Il faudra que ça se fasse rapidement, ce 125 tours. Lacroix avait gagné l'année dernière. Le drapeau vert est agité. En passant, Lacroix a fait que 2 tours pour les qualifications parce qu'il avait eu des problèmes de boîte de vitesse dans la séance d'essai. À l'extérieur, Andrew Ranger va prendre la première position aux dépens du jeune Trayton Lapsovich. L'expérience a parlé, c'est 28 victoires pour le 51. Mais tout de suite, on le voit très agressif, Lapsovich, de ses 17-18 ans. Là. 18 ans, oui, il est tout juste d'avoir 18 ans. Avec Kennington dans la voiture Castrol qui est tout juste derrière. C'est un tout petit circuit, un bull ring, comme on dit en bon français, Dominique. Oui, mini anneau, pas énormément. On voit que ça laisse pas grand place. Rangée qui tente de se faire une place, n'apprécie pas du tout avoir été dépassé par Lapsovich. Déjà, Kennington se pointe à l'intérieur pour prendre la place. Ça, c'est deux coéquipiers, si théoriquement, ils sont sur des équipes différentes. Kennington est celui qui prépare les voitures de Rick Ware Racing, la 51 et la 52 de Alex Guinette. Et ce sont deux pilotes qui se respectent énormément. Gamble est à l'extérieur dans la voiture numéro 3 de Taylor, qui sera certainement à surveiller. On voit que les numéros sont dans un même motif. Faut se rappeler que c'est sous la même équipe qu'on travaille. Le 52 Guillette en tête à queue, ça part fort. Un drapeau jaune, oui, non? Non. Il semble pouvoir repartir. Je pense qu'il aurait bien aimé qu'il y en ait un parce qu'il va perdre un tour de piste dans la voiture aux couleurs de moto illimitée et de Ducati Montréal. Alors qu'à l'avant du peloton, la voiture Quick et celle de Trayton Lapsovich, son frère Caden avait remporté le championnat il y a de ça quelques années. Et son père, Jeff, a roulé longtemps dans la série Pinty's et dans plusieurs autres séries, dont la Players GM en circuit routier, où j'ai eu le plaisir de le connaître. Au début des années 90, le temps passe vite. Hein? Remarquez comment le circuit est bosselé dans les courbes. C'est une des raisons peut-être qu'il a fait perdre le contrôle à Guinette et ça va être important de surveiller au fur et à mesure où on roule deux par deux, côte à côte. Ça pourrait forcer un pilote ou l'autre vers l'extérieur, avoir un peu moins d'adhérence si on tente de négocier le virage trop rapidement. On a vu Gamel s'attaquer à Larry Jackson pour la 4e place. On les revoit à l'écran présentement, la 84 et la 8. Il est très agressif, ce Gamel. Dans la voiture numéro 8, c'était une voiture préparée par l'équipe Atkinson et le champion qui n'en est pas un finalement. D'ailleurs, je ne comprends pas. Oh! Tête à queue pour Lacroix dans la voiture bumper to bumper, Lacroix Tuning. Il repart. On est toujours sur le vert. Bon, ben pour les Québécois, on perd des tours. Voilà, c'est fait. Oh, qu'il a tout tenté. Lacroix pour rester devant Lapsovich. Est-ce qu'il a été aidé? Ah, du
difficile à dire, mais c'est DJ, en tout cas, qui était derrière ça, c'est certain. À la reprise, on peut pas voir. J'ai l'impression que, quant au positionnement de la voiture de DJ, que peut-être, peut-être, la croire a fait ça comme un gars. Seul. Kennington par l'extérieur sur ce dernier. Je vous rappelle qu'ils ne sont pas sur le même tour, DJ. Ou plutôt, Kennington dans la voiture Castrolet est en troisième position. Lacroix, avec tout ça, va se retrouver 18e ou 17e. 17e, voit-on, à la gauche de l'écran. Lacroix reprendra son tour si jamais on voit une neutralisation avec la passe gratuite. Ceci étant dit, on a remarqué que quand Lacroix a perdu le contrôle, le moteur, le régime moteur a changé au fur et à mesure qu'il est passé sur les bosses. Je vous le dis, c'est épouvantable comment ce circuit-là est bossé dans les courbes. C'est certain que ça va causer des maux de tête à certains pilotes. Ça a déjà commencé. C'est presque aussi vieux que moi, c'est pour ça. en passant, on a entendu à la reprise là, Lacroix qui a dit « he's spun me ». Donc, c'est Donald Teague qui a aidé Kevin Lacroix, semble-t-il. 16e tour de piste. Watson, qui connaît la piste comme le fond de sa poche, sera certainement un pilote à surveiller. Pilote de 28 ans. Alors qu'on voit Alex Taglietti. Oh, il y a quelqu'un qui a une crevaison. Traden Lapcevich. Got a flat boy. Je suis en train de regarder la position ouais, avant-droit. Je suis en train de regarder la position de Taglietti. Sur l'ordi quand on a entendu Got a Flat et Lapcevich, malheureusement, qui était à l'avant du peloton. Taglietti qui était parti de la huitième position. C'est assez particulier ici, hein, parce que la ligne des puits est à l'extérieur du circuit. Là. On doit sortir de la piste et aller dans ce que sont les garages, pour justement s'arrêter et faire une réparation de fortune. Alors, Rangé est maintenant celui qui hérite de la première position parce que Lacroix attend de reprendre son tour, étant donné qu'il est le chien chanceux de Lucky Duck. Kennington est deuxième, Jackson est troisième. Gamble et Taylor complètent le top 5. Nous sommes de retour pour la série Pinties au Flamborough Speedway. Didier Scannon en compagnie de Dominique Fugère. Lacroix qui reprendra son tour perdu. Rangé qui est en première position. Voilà Lacroix qui passe le pace truck, comme on dit, la camionnette de tête. Et j'ai l'impression qu'on travaille ensemble ici, Dominique, puisque Rangé choisit l'extérieur. J'ai l'impression que son coéquipier Kennington va le laisser plonger à l'intérieur. Non, et ce sera une situation gagnant-gagnant. Je vois que ça va bouchonner derrière. Et puis. Ben, c'est surtout qu'on est certain qu'ils seront 1-2, alors que pour. Surtout pour Kennington, ça deviendrait compliqué d'être pris à l'extérieur. C'est pour ça que, regardez bien, voilà, c'est fait. On laisse rentrer Rangé. On est certain de garder la deuxième position. Parce qu'à l'extérieur, ça klaxonne assez sérieusement et on se touche. Là, Gamow, qui était très à l'attaque. On voit Stacy, qui est dans la 92, est un pilote qui s'est de beaucoup amélioré avec des voitures bien préparées, justement, comme celle de Gamow par l'équipe de Atkinson. Ils se sont retrouvés à 3 de large malgré la petitesse, l'étroitesse du circuit. Vraiment, on est en train de faire de la géométrie créative. Ouais, Camiran qui était comme ça pris entre Watson et Stacy. Mais pour Camiran, c'est un passage dans la ligne des puits, encore une fois, victime peut-être d'une crevaison, lui. Crevaison en avant-droit. Oui, même chose. Hein, quand on se touche comme ça, parfois, c'est la soupape là, d'admission d'air sur le pneu là, qui est coupé. Et là, le pneu se dessouffle très rapidement. Camiran qui sort de deux excellents résultats au Canadian Tire Motorsport Park. Deuxième dans la première course et premier dans la seconde. Sa première victoire sur Cirque Routy. C'est moi quelqu'un. Dieu sait qu'il y en a un méchant paquet, notamment à l'époque, en Formule 1600 et
même du côté des prototypes, là, se défendait bien. Je pense qu'il n'a pas eu de victoire de ce côté-là. Il a gagné aussi en Formule 2000. Donc, ne s'est jamais gêné pour être rapide en circuit routier, mais en stock-car, c'est différent. Ouf! Je vous jure que Taylor est en feu là au départ de Larry Jackson dans la 84 qui doit se demander, mais il va-t-il finir par me lâcher? Sur un circuit d'un tiers de mille comme ça, Dominique, on a l'impression que tout se passe deux fois plus vite, là, tellement c'est condensé comme action. Là. Hop, des problèmes pour Sam Fellows. Là. Ouais, surtout que Larry Jackson, on n'a pas eu au fil des années l'habitude de le voir aux avant-postes. Donc, lui, il est en train d'apprivoiser tout ça. Là. Alors, pour la Croix, un autre passage dans la ligne des puits, ça va donc bien mal pour nos Québécois. À part ranger. Ouais. On lève le capot, c'est pas bon signe, ça. Oups, et regardez, il y a du liquide qui s'écoule sous la voiture, là. Alors, on a un problème important pour Kevin Lacroix. Vous savez qu'on a travaillé sur cette voiture là, juste avant la séance de qualification et tout ça se déroule sur un horaire qui est passablement condensé. On a changé le moteur sur la voiture de ce dernier aussi, juste avant les essais. Alors, avec Dexter Stacy qui est en 8e position devant CLP Dumoulin, la voiture WeatherTech. Et en 6e, un petit peu plus loin, là, on a vu Alexandre Tagliani. À la voiture Rona Viagra. Stacy abonné au top 10 depuis plusieurs courses, surtout sur les ovales. C'est un gars qui a connu qui a beaucoup d'expérience là, tant en série NASCAR Xfinity que même un peu en Coupe Sprint. Et puis de le voir en série NASCAR Penske, serrer son épingle du jeu, c'est bon pour tout le monde. Ben, disons que ça a été un peu plus difficile pour lui dans les deux épreuves de Sunset, mais comme vous le dites depuis le début, ce n'est que des top 10. Au Grand Prix de Trois-Rivières, 10e, 7e à Icar, 7e en circuit routier du côté de la première épreuve du Canadian Tire Motorsport Park et 9e dans la seconde. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu comme un déclic alors qu'on est à bord avec Donald Teague. Trois-Rivières, on l'a vu rouler dans le défi urbain Chevrolet aussi avec son père Wallace. S'est amusé au volant des modifiés de terre battue qu'on a amené, qu'on a invité en ville dans les rues de Trois-Rivières. Shepherd, qui est un pilote qui a énormément de départs en Ontario, là, qui a fait des apparitions sporadiques dans la série NASCAR Pinty's. Il était parti de dernier, il est déjà 11e pendant qu'on voit Taylor taxonner toujours sur Larry Jackson. Et dans la voiture Rona Viagra, Alex Tagliani, le meneur au championnat, qui... Et toujours devant, LP Dumoulin, donc un petit point de plus si jamais ça se termine là. On est en mesure de, semble-t-il, repartir, mais on a perdu un certain nombre de tours. Là. Ça va vite, ce sont des tours en 15 secondes, Dominique. Absolument. C'est un peu comme en Coupe Sprint, en Coupe NASCAR, pardon, quand on est du côté de Bristol. Faut pas cligner des yeux trop parce qu'on se retrouve rapidement un tour en derrière. Et là, ça se poursuit. Teague est 10e et il est moins de 5 secondes derrière le meneur. Donc, c'est la preuve qu'on est vraiment autour d'un circuit et vraiment dans un peloton très, très compact. Cagnéran, 7 tours de retard. Lacroix, 12 tours de retard. Et ça continue à s'accumuler parce qu'il vient encore... il vient tout juste d'entrer en piste, là. Et regardez, on double Strong par l'extérieur. Strong qui roule, croyez-le ou non, la 56, c'est sa voiture de circuit routier qu'il a utilisée du côté du Canadian Tire Motorsport Park. C'est comme s'il prenait, je sais pas moi, le Moss Corner à plusieurs reprises. À bord avec Dumoulin dans la voiture WeatherTech Belmar, il est en 7e position au 43e tour de piste. Et regardez comment ça demeure serré, là. Strong qui reste à l'extérieur dans la 56... rouge, là. Question de laisser passer tout ce beau monde. RC, le Air Club et Formula Kart Trail sont les commanditaires du 56. Alors qu'on suit LP Dumoulin. Déjà 2 titres à son actif. Que 8 points de retard sur Alex Tagliani. 9 au moment où on se parle. On revient avec Stacy. C'est la 3e voiture de l'écurie Atkinson
Gemmell dans la 3 et Taylor dans la 5 sont ses coéquipiers au 92. Couleur, une voiture aux couleurs là, orange. Oui, il y a le Bullies Truck Stop, mais il y a aussi Every Child Matter pour rendre hommage aux enfants retrouvés défunts dans les pensionnats autochtones. On s'est le temps d'une pause. Rangier toujours le meneur. Le Motomaster 125 se poursuit à Farnborough, la 8e épreuve de la série NASCAR. Penties, Rangé, Kennington, Gemmell, Jackson, Taylor, le top 5. Rangé qui a mené plusieurs tours alors que, oh non, des difficultés pour Gemmell, c'est ça, c'est bien lui. Oui, la 8. Encore une fois, le pneu avant-droit, je commence à penser, Dominique, que c'est peut-être la configuration du circuit, mais comme on le voit très bien, il y a un beau beigne. Il y a eu un contact, là, très certainement. Mm. Sur la voiture, c'est le quatrième à avoir des problèmes avec le pneu avant droit, souvent dû à des contacts qui sont assez fréquents ici. Dumoulin, Stacy, Watson, T.J. Shepherd de la 6e à la 10e position. Le peloton demeure serré comme ça se peut pas. Et Gemmell qui est sorti tout juste devant cette bataille-là, mais il a déjà perdu quelques tours. Bataille pour la 4e place, Jackson et Tagliani. Alors, dans la voiture, Miles for Migraine de Rick Ware Racing, la 51, une voiture préparée par DJ Kennington tout juste derrière. Et là, regardez comment on se bouscule. Tagliani, le meneur au championnat, essaie de se faire un chemin, mais Jackson n'est pas plus simple à passer pour Tagliani qu'il ne l'était pour Brett Taylor. Wheeler, le 61, qui se fait prendre un tour. Tagliani, 5e. Dans la voiture, Rona Viagra Saint-Hubert. Il arrive chaud avec lui. Alors voilà Watson, ce jeune pilote de 28 ans qui, en passant, se bat avec les Shepherd et compagnie en Ontario, avec J.R. Fitzpatrick aussi pour le titre en late model en Ontario. Alors, un pilote qui est très expérimenté et qui connaît très bien le circuit de Flamborough. On a vu ça tout au long de la saison, là, des pilotes qui débarquent et puis qui sont à l'aise sur un circuit, qui viennent tenter leur chance, là, lancer leur chapeau dans la danse avec les ténors de la série NASCAR Pintings. Puis il y en a d'autres, comme Gemmell, qui devait seulement courir à Sunset, puis tellement eu de plaisir et décidé d'étirer ça un peu, au grand désarroi de certains de ses adversaires. Le 51, Andrew Rangé mène pour Rick Ware Racing. En passant, Rick Ware Racing évolue dans plusieurs disciplines, mais on n'a jamais gagné une course jusqu'à présent, en tout cas. Pour l'instant, ben, on ne vendra pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais on est à peu près à la mi-course, là. Et ça se passe bien. Deux vétérans pilotes qui cumulent les victoires. 21 Kennington, et pour ce qui est de Andrew Rangé, je crois que c'est 27 ou 28. 61 tours de compléter maintenant. Juste vérifier justement côté des statistiques de notre ami. C'est 29 qu'il a. 29 victoires. Avec celle de cette année. On va se le dire, on est rendu à 29,5. La mi-course. Sur les deux tours, sur les 125, il est rangé. Il les a tous menés ou à peu près? Là. En fait, je me reprends, c'est 28 victoires qu'il a. Trouver l'information. Lui qui, pendant des années au Grand Prix de Trois-Rivières... Là, premier, deuxième, ça a été pendant 8 ans d'affilée. 7 ou 8 ans, oui. Ouais. Avec Kevin Lacroix, la voiture bumper to bumper, Lacroix Tuning, qui est de retour en piste, mais avec 34 tours de retard, rien de moins, c'est énorme. C'est un peu comme quand Jacques Villeneuve est arrivé pour Penske Racing à Road America. On avait regardé sa fiche et c'était 1,5, 1,5 son résultat moyen à l'arrivée.
une victoire et une deuxième place en Champ Car. Ça aurait été toute une entrée à la matière, hein? Oui. Cette deuxième au Mexique, là, ça a fait que les gens ont fait... Où? Non? Andrew. Alors... C'est toujours la cinquième position pour celui qui mène le championnat. Et je vous jure, Stacy ne lâche pas LP Dumoulin. C'est incroyable. Il est compétitif au possible. Un petit bump and run. Et pour... moi, je trouve qu'il... Oh, oh, on tente l'intérieur, un petit contact. Oh, on s'appuie dessus. Ça colle plus à 8 pneus qu'à 4. Est-ce qu'il aura réussi à passer? Oui, c'est réussi pour Stacy, mais... LP Dumoulin est ténu, hein? Il vend cher sa peau, c'est le moins qu'on peut dire. Et au-delà de ça, Stacy vient de lui remonter bretelle. Ouais. Dumoulin a vraiment... Ça prend quand même un gros cœur pour résister comme ça à l'extérieur quand tu joues le championnat. Là, ouais. Au risque peut-être de se faire envoyer en tête à queue et de tout perdre. C'est surtout qu'il sait que Taliani est derrière lui, donc ça va. Il n'y a rien de perdu. Là. Petite chaleur là, en reprise là, pour Ranger là, qui s'est fait prendre un petit peu là, au dépourvu par Brent Wheeler, qui était un petit peu sur sa trajectoire, comme on dit. Alex Guinette, la voiture moto illimitée Ducati Montréal, là, qui a quelques tours de retard lui aussi. Parti en tête à queue au quatrième tour de piste sans qu'il y ait neutralisation, ce qui a été assez coûteux pour lui, justement, dans ce sens-là. Voilà, on a une neutralisation. Stacy, Dexter, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a beaucoup de marques de pneumatiques sur son aile avant-droit, là. Mais ça a l'air d'être mécanique, Dominique, parce qu'il a essayé de redémarrer son bolide. Et ça faisait un drôle de son, comme très on dit. Très bruyant, là. Ah oui, à la sortie du virage, il se range à l'intérieur. Problème mécanique, malheureusement, pour Dexter Stacy. Lui qui allait si bien et qui sortait comme ça, comme on l'a mentionné tantôt, d'une série de 4 top 10. Oh non, ça fait mal. Et quand ça se met à vibrer, là, il y a des pièces mobiles qui ne sont plus rattachées les unes aux autres, semble-t-il. Ils viennent un peu trop mobiles, un peu trop libres. Exactement. Alors, Rangé, toujours le meneur dans la voiture. Miles for Migraine, Kennington, Taylor, Jackson et Tagliani, c'est le top 5 du côté de Flamborough. Nous sommes de retour pour cette septième épreuve de la série NASCAR Pinty's à Flamborough. En fait, c'est à Mill Grove, à peu près à quoi, une heure de Toronto, alors qu'on pousse la voiture de Dexter Stacy, qui est encore au volant. Et quand la direction assistée ne fonctionne pas, vous avez vu comment on doit travailler fort pour faire tourner les roues de ce bolide. On est prêt à relancer l'épreuve en première ligne. Même scénario. En tête, c'est Rangé. À ses côtés, Kennington, qui va laisser Rangé se ranger devant lui pour ne pas faire un jeu de mots plutôt douteux. Voilà, regardez. Et, deux pilotes d'expérience, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre. Kennington, là, son palmarès est impressionnant. Depuis, bon, il a connu beaucoup de succès en NASCAR, on s'en souvient, mais depuis que c'est la série NASCAR Pinty's, il a jamais fait pire que... en fait, il a été troisième au championnat presque... Dans les trois premiers, dis-je bien, au championnat presque tout le temps. Et il y a qu'à trois reprises où il a terminé cinquième et sixième. Sinon, c'est toutes des top 3 au championnat. Quand on parle d'une machine... La constance! Oui. On peut comprendre que son association avec Castro dure depuis tellement longtemps. Watson, dans la 64, devant LP Dumoulin, la voiture WeatherTech, et Shepard, qui a une voiture qu'on a sortie des Boulamites juste avant le début de cette épreuve-là. C'était pas celle qu'il devait courir, mais des problèmes sur... La voiture de primaire, si vous voulez, a fait que chez
Dave Jacob, on a dû prendre le mulet. Il cherchait le mulet à l'atelier, il est sorti, et puis Shepard qui n'a fait qu'une bouchée de l'antige. Lapsevich derrière Kémira. Lapsevich victime d'une crevaison qui lui a coûté plusieurs tours de piste à faire. Ou lui a fait perdre, devrais-je dire, plusieurs tours de piste. Quand on voit Larry Jackson dans la 84, son meilleur résultat est une troisième position au Sunset Speedway de cela quelques années. Il roule présentement quatrième. On est à bord avec Larry Jackson qui a devant lui les pilotes que sont Rangé et Kennington. L'autre voiture, si j'ai bien vu, c'est celle de Dexter Stacy avec, avec du rot. Non, elle est dans les puits, c'était laquelle, non? C'est la voiture de... Ted Gamon? Non, de Brett Taylor, c'est ma puce. Oui, voilà. Brett Taylor. C'est vrai. Et puis Larry Jackson, quatrième, Taliani, cinquième. Taliani a 8 points... davantage, donc même si LP est en train de reprendre des places, Taliani conserve la tête du classement. Et là, ça cogne à la porte. On se pointe à l'intérieur du côté de Shepard. Vous l'aviez dit, Didier, Shepard est équipé pour une belle remontée. Et là, plus on avance, plus le mulet semble faire son affaire. Le pire, c'est que... Ben, le pire, c'est que lui a absolument rien à perdre. Vu qu'il ne fait que quelques courses dans la série, alors que pour le pilote WeatherTech Belmar, qui est LP du Moulin, là, il faut savoir parfois céder pour ne pas casser. Ouais, et ne pas trop perdre de points, c'est moins qu'on puisse dire. Du Moulin, 7e. Il est maintenant à 10 points derrière Tagliani. Alex Tagliani qui est tout juste devant Brendan Watson, le pilote de 28 ans. Dans une voiture qui a été pilotée par plusieurs, dont Dealey. Et la 64 qui donc est pilotée par, par plusieurs cette année. À l'avant du peloton, Kennington et Rangé. Ensemble, ces deux-là ont 319 départs cumulatif ils ont près d'une cinquantaine de victoires à deux si on additionne tout ça. Notre ami Todd Lewis est en compagnie de Dexter Stacy dans les garages. Dexter, you've been having a really strong season in the Pinty Series, but a frustrating day today. What happened? Going into turn three, the motor just blew up on me, and we had a top five car. I think it was just getting quicker and quicker and quicker, and hard place to pass, but we made a couple of passes when we could. So. Sorry to see you out early. Alors, Dexter, qui a dit qu'à la sortie du virage 3, le moteur avait rendu l'âme, persuadé qu'il avait une voiture très rapide, très bonne, même pour espérer un top 5, ce qui a été une première pour lui, alors qu'on est avec Donald Teague, qui a une victoire en Pinty. C'était dans l'Ouest canadien, de cela quelques années. Alors qu'on voit le 52, Guinnett, et le 74, Lacroix, eux qui sont... pas sur le taux du Moller, loin de là. Pour Lacroix, on l'a vu à l'écran, là, c'est 34 tours de retard. C'est crève-cœur, ça. 30e tour de piste. Oh! Ouh! Oh non! Barry Jackson, dans la 84, qui est au ralenti. Il était en 4e position. Est-ce qu'il s'en va vers les puits? Oui. Parce que c'est en plein milieu du... à la sortie du virage 2 qu'on s'en va dans les puits de ravitaillement. Pas de neutralisation pour lui. Oh là, on a un drapeau jaune. Donald Teague en dérapage, il a échappé ou il s'est fait échapper, Dominique? Avec 24 tours de piste à faire. Alors, Lacroix qui... Oh!
Oh, il s'est fait... C'est ce qu'il a dit. Tige m'a sorti. Ah oui, OK. On parle ici... l'utilisation en anglais... L'expression en anglais, c'est « payback ». En français, on pourrait dire « c'est l'heure de la revanche ». L'heure de revanche, l'heure de vengeance. L'heure de prendre le change. Ouais. On se fait pas de... Il lui a rendu la monnaie de sa pièce. On se fait pas de cadeau dans ce sens-là. Alors, Todd est en compagnie de Larry Jackson qui a eu des problèmes. Oh yeah, Larry Jackson, who's had some really strong runs so far this season. How come you're out early in this one? I think the rear gear. Woo! That's close. The O'Neill Milwaukee Dodge running awesome, man. Oh my God, we're up front, we're killing it. Rear gear, just spun coming off of two there. Knew exactly what it was. We had a great, brand new set of gear in there. That thing running on rails. Got my O'Neill hat on, killing it. We're back out for the next one. Thanks, Larry. C'est agréable de voir un gars qui vient d'être éliminé, être aussi souriant. Problème de différentiel, semble-t-il, mais quand même super content de sa performance. Rangé mène toujours devant Kennington. Taylor est troisième, Tagliani quatrième et Watson est maintenant en cinquième place. Le Motomaster 125 se poursuit dans un instant. On est bientôt prêt à relancer les voitures. Juste avant, le temps de vous montrer quelques images de M. Kennington qui a construit une piste d'un huitième de mille sur terre battue pour son fils Chase Kennington et Brian Verbeen, qui est le fils de Doug, qui lui est le chef d'équipe de rangée. On se pratique pour des épreuves de micro-sprint. Quoi de mieux que d'être équipé soi-même d'une piste pour s'entraîner? Rien de moins. Rangé, Kennington, toujours le même petit jeu. Rangé qui est le meneur, se met à l'extérieur. Kennington va le laisser rentrer au virage numéro 1. Taylor Tagliani en deuxième ligne. Watson et Shepherd en troisième. Dumoulin et Guenette en quatrième ligne. Et pour Guenette, on est de retour sur le tour du meneur. Ça a bien fonctionné encore une fois. Tagliani qui a terminé quatrième et sixième l'an dernier ici à Flamborough. C'est le meneur au championnat, je vous le rappelle. Il est devant, vous voyez, LP Dumoulin, Watson et... il est pris à l'extérieur. Shepherd dans la 7 sont entre les deux. Ce qui veut dire que l'écart est maintenant de au moins 11 points, là, 10-11 points. On est à bord avec LP. On dirait, Dominique, qu'il a une voiture OK pour rester avec le groupe, mais pas pour dépasser. Oui, exact. Difficile de se faufiler à travers le peloton, un peu comme peut le faire Shepherd. Là, on le voit là, qui attaque Daly et puis qui continue son chemin vers l'avant. C'est son propre châssis hein, cette année hein, sur les ovales LP. Oui, absolument. Mm-hmm. Absolument préparé par Robin McCloskey, qui était le chef d'équipe de Marc-Antoine Cameron jusqu'à il n'y a pas si longtemps. 13 tours de piste à faire. Andrew Rangé est très fort aujourd'hui dans la voiture de Rick Ware, aux couleurs de Miles for My Green. Et là, le vétéran au travail avec la caméra 360, vous avez vu DJ Kennington. J'ai bien vu quelques gouttes dans les pare-brises, là. En tout cas, la météo annonce ça. C'est très nuageux. Tantôt, là, ça donnait l'impression qu'il y a une petite bruine qui tombe pour l'instant, mais il reste 11 tours. Regardez, encore une fois, avec à bord de la voiture de Brendan Watson, là. C'est pas beaucoup, mais... Vous savez que la piste d'un tiers de mille, les voitures repassent très régulièrement, dégagent énormément de chaleur. La piste comme telle, elle doit être encore sèche. Ça va prendre une bonne ondée pour qu'on puisse terminer cette épreuve. De toute façon, si la pluie se mettait à tomber, elle serait considérée comme complétée puisque elle est, il y a presque 100% de l'épreuve qui a été courue à l'intérieur. Encore une fois, Pete Shepherd qui, avec Watson, les deux, je vous rappelle, se coltaillent en late model sur les circuits ontariens autour de Toronto.
Et c'est pareil en série Pintige, Sheppard ayant pas mal plus d'expérience que Watson, parce que Watson, c'est sa toute première course dans cette division de NASCAR. Alors, 7 tours de piste à faire. Les 3 premiers se sont détachés du peloton, rangé Kennington et Taylor. Tagliani est 4e, Dumoulin est 7e. Ça fait qu'on peut calculer 11 points d'écart entre les deux au moment où on se parle. Un qui va faire un bon saut au classement, si ça reste comme ça, c'est DJ Kennington, tout comme Andrew Ranger. Les deux n'étaient qu'à un point de distance, si on veut, avant qu'on prenne le départ aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est un point pour avoir mené un tour, un point pour avoir mené le plus grand nombre de tours. L'impression que Rangier se dirige vers la totale, si tout se passe bien pour lui, dans les 4 prochains tours. On donne un point par position de différence, mais on donne surtout 3 points bonus pour avoir gagné la course, ce qui fait qu'on peut aller chercher 48 points. C'est le maximum qu'on peut faire. Et Alex, ou plutôt Andrew Ranger, se dirige, semble-t-il, vers une 29e victoire. C'est pas fini. J'ai l'impression que Kennington le respecte, mais si on a besoin d'un petit bump and run, j'ai pas l'impression qu'il va se gêner, là. Mais il n'est pas capable de se rapprocher assez de Ranger au moment où on se parle. 2 tours de piste à faire. Moins de 2 tours maintenant. Le drapeau blanc, voilà, est agité. Impossible pour Kennington de faire une manœuvre à moins que le 51 parte en perdition dans les virages 3 et 4. Au moins une longueur de voiture, si ce n'est pas 2 entre ces deux-là. Et ce sera la 29e victoire pour Andrew Ranger. Kennington, Taylor, Tagliani, Sheppard, le top 5. On va aller rejoindre le chef d'équipe, justement, d'Andrew Ranger, Dover B. There's a celebration happening now for the 51 team. Rick Verberg, first victory of the season. You guys had control of this right from the beginning. Yeah, this car is just mad fast all day long here. So proud of Andrew Ranger to come back from what we've been through this year and put that miles for Migraine Dodge in victory lane. Thanks for Equair Racing and everybody that keeps us going. Our crew guys did an awesome job. Congratulations. Alors, il a parlé de Ranger et moi, j'ai parlé de Verbeen, alors qu'on devrait prononcer Verburn. Verburn, Ranger. On s'en excuse. On a les commentaires de Andrew Ranger au retour de cette courte pause. Mesdames, messieurs, restez avec nous. Cette émission vous a été présentée par Quick Wick, l'allume-feu numéro 1 au monde. Par WeatherTech, la protection ultime pour l'intérieur de votre véhicule. Par Leland Industries, fière compagnie canadienne d'attache en tout genre. Et par Sunbelt Rental, pour la location de tous vos outils pour petits et gros travaux. Cercle des vainqueurs, Andrew Ranger. Il va célébrer cette première victoire cette saison pour l'équipe de Rick Ware Racing dans la voiture numéro 51. Si on regarde justement un peu plus en détail le résultat de cette épreuve, on s'aperçoit qu'il est allé chercher la totale, les 48 points disponibles pour Andrew Ranger qui a mené 110 des 125 tours quand on parle de domination. Ensuite, Kennington et Taylor suivent respectivement dans l'ordre. Tagliani et Sheppard pour compléter le top 5. Watson, Dumoulin, Guinnett, Lapsovich et Teague. Lapsovich qui était à l'avant du peloton lorsqu'il malheureusement avait eu une crevaison en début de course. Il a quand même réussi à aller chercher les 36 points qui se rattachent à sa 9e position. On écoute les commentaires du gagnant, Andrew Ranger. Ben oui, écoute, très content. Notre première victoire cette année avec la voiture 51 de Rick Ware Racing. Écoute, on a pris les commandes, je pense, au lap numéro 2 ou 3. Et puis la voiture était parfaite, vraiment content. On était capable d'être constant puis d'être capable de ramener la voiture sur avec la victoire. Alors, un gros merci à tous mes commanditaires, tout le monde qui me supporte pour cette saison. On va se préparer pour la deuxième course. Alors, au championnat, l'écart est maintenant rendu à 11 points. Il y en avait 8 entre Tagliani et Dumoulin. Andrew Ranger qui monte à la 3e position avec Lapsovich qui a le même nombre de points que DJ Kennington. Alors, on a, du côté des vétérans, marqué de gros points. Mais regardez comment c'est serré entre la 4e et la 8e position. Là, c'est...
Il n'y a rien de joué avec trois courses à faire du côté de ce fameux championnat qui comptera 10 courses finalement avec tout le chambardement qu'on a connu du côté, par exemple, de Chaudière qui a été, on en a parlé la dernière fois, escamoté. Oui, malheureusement. Triste mais dure réalité. Ça va être tout un duel, Dominique, ces trois courses-là qui restent. Flamborough, une course et deux du côté du Delaware Speedway, ça va être quelque chose. Oui, parce que quand on a ces programmes doubles-là, quand ça va bien, ça va bien, mais quand ça va mal, ça peut aller mal très rapidement. Il suffit d'un problème ou encore d'une collision dans la première course pour soit ne pas pouvoir disputer ou à tout le moins avoir des résultats très ordinaires des deux côtés. Donc, c'est très risqué. Et on a encore une bagarre, on va se le dire, avec 11 points, trois courses à faire. Ça va être très, très intéressant entre Tagliani, qui, on l'a dit, n'a toujours pas de titre de la série NASCAR Pinty's, et LP Dumoulin, qui cherche, lui, son troisième. Malheureusement, pour Camiran, par contre, quelle difficile saison. Lui qui avait comme jinxé, si vous me permettez l'expression. Congélé le sort, tout mis ça de côté. Un début de saison extrêmement difficile avec deux podiums, une deuxième et une victoire comme telle du côté du Canadian Tire Motorsport Park. Et là, encore une fois, bang, la malchance qu'il frappe. Oui, c'est difficile pour Camiran. Puis, on le sait, on n'est pas certain. Est-ce qu'on a des bons réglages sur Oval? Est-ce qu'on a des bons réglages sur routier? Il a réussi à remporter sa course sur routier au CTMP. À Trois-Rivières, ça allait bien. Bon, ça s'est un peu envenimé. Là, ça va être de voir comment ça va se passer sur les ovales. Et il y a aussi, est-ce que l'équipe va mettre davantage de ressources du côté de Tagliani? Parce qu'on bat pour le championnat. On se bat pour le championnat. Davantage de ressources du côté de l'Absevitch, parce que c'est le petit gars de la place, c'est le petit gars avec qui qu'on compose, avec qui on travaille à toutes les semaines, tous les jours. Donc, ça va être une drôle de dynamique là, du côté du Stickley Racing. Oui, de ce côté-là, le problème, c'est que la fiabilité n'est pas toujours là, et ça peut jouer. Prochain rendez-vous, donc, du côté de Flamborough, 8e épreuve, ce sera la deuxième de ce programme double tenu à pas tellement loin, justement, de Toronto à Melbourne particulièrement. Didier Scranon, au nom de Dominique Fugère, vous dit un gros merci d'avoir été là. À notre réalisatrice, Catherine Chapdelaine également, avec toute l'équipe technique sous sa direction, un gros merci à vous d'avoir été là. On se retrouve fort bientôt pour encore plus de NASCAR à RDS.